Quand on va agrandir la ferme, il y aura la maison. Tu vois la maison qui est en dessous des champs actuellement? Cette Ouais. maison-là, dedans, c'est comme une base vide en fait. T'as rien dedans. C'est vraiment des emplacements qui sont faits pour ranger des coffres, justement. Ah, c'est trop bien. D'accord. Oh C'est un là. espace de stockage, quoi, la maison en dessous. Ça va être cool, hein. Ouais, ça va être assez cool. Bon, je reviens, j'ai le pré-live qui est fini. D'accord. Je Ça vais marche. lancer. Ok. Idem d'ailleurs. Ah, mais il y a Jacques qui nous a rejoint. Coucou. Rejoue à la ferme. Oui, c'est parti pour tout arroser. Tu fais par ligne maintenant? Je réfléchis pas. Moi? En ligne, il me reste, tu vois. Et coucou. Allez. Hello, Coucou hello. Jake, ça va? Et Ça va. coucou. T'as l'air fatigué, t'as une Et petite voix. oui, du coup, un live un petit peu plus raisonné et raisonnable niveau horaire, histoire de que ça corresponde mieux à ce que j'ai envie de faire. Alors déjà, ce que je fais en live de base, c'est ce que j'ai envie de faire, hein. Mais également ce que j'ai envie de faire hors live et de pouvoir conjuguer un petit peu les deux et pas être strictement live. Et dès que je finis live, je mange, je dors. J'aimerais combiner un petit peu plus de choses, faire un peu plus de trucs hors live également. Et pourquoi pas par la suite proposer des choses en live vis-à-vis de mes activités hors live. C'est des choses qui me tentent, je suis en train d'y réfléchir. Pour l'instant, c'est voilà, rien n'est fait. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de conjuguer tout ça. Et c'est super parce qu'en plus, je m'étais même pas mis sur le sur les Discord. Excusez-moi, jeunes gens. Bon, pas de soucis, bah, écoute, ça me permet du coup de rebondir en disant qu'on est plusieurs à être en live et que du coup il y a un multi Twitch qui est dispo. Le multi-tweet, c'est le meilleur. C'est le multi-tweet. On l'aime beaucoup, la multi-tweet. Pote. Salut le chat, salut Rim. Il y a Kipon, il y a Rimfire qui aime bien que tu chantes. Ah bon? Ah merde! J'ai oublié de mettre le retour, je suis con, moi. Je voulais pas bugger, j'espère que je vais pas bugger ce soir. Oui, Ando, comment allez-vous ce soir? Bah salut, tout va bien. Et toi, comment tu vas? J'espère que ça va du coup sur chacun des lives d'ailleurs. Bon, oui. Du coup. Du coup. Après, je pense que si moi je plante, c'est pas trop embêtant pour vous, quoi. C'est embêtant pour moi. On va dire ça. On avait donné le miel au centre commun, pas du tout, je me souviens pas. Alors là, Oui, on l'a déjà ça doit donné, être donc là. on peut commencer Vous êtes déjà à. IG?
Oui. Moi je suis en charge de la partie apparemment. Ouais. Non, 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 j'ai crash. J'ai voulu rejoindre. Ah, peut-être que je vais essayer de relâcher. J'essaye d'arriver. Ça arrive à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, on va juste là bas. Ok, c'est bon. Ok, y'a plus que moi qui traîne un peu. Ah bah c'est bon, je suis là. Parfait. Jay, je viens de voir sur le retour, le chat, il est en plein milieu de l'écran, c'est normal ou pas? Je le descends. C'était pour l'audio. D'accord. C'était juste que je viens de le voir, c'était une question. Bonjour voisine, comment ça va voisine? Oh, dans une semaine, c'est la fête de Stardew Valley sur la place du village. Oh non, encore une vente. Encore une fête, il faut encore faire le voilà, faire les beaux, voilà. Faire la fête. Il y a plein d'arbres qui filent plein de fruits. Oh. Enfin, du moins là, j'ai trouvé trop de buissons. Bon, je ne m'occuperai pas trop du rangement des coffres, en particulier du rangement des bombes dans les coffres, on se souvient de certaines vérités ici. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah moi non plus, voilà. Pour moi c'était déjà oublié. J'ai l'impression que c'est vieux. Ah oui, c'est vieux et oublié. Oh loulou. Ah mais il est 13h30 déjà, incroyable. Le temps passe vite. Ah ça. C'est fermé, ouvert de 14h à 22h. 10 minutes près, fonctionnariat. Ça, c'est la post-cigarette, ça. Par contre, j'entends pas du tout Jake, c'est normal. Y'a qui pompe ? Tu vas bien, Jake ? Oui, quoi ? On parle ? Pardon ? Attends. Oui. Attendez. Oui. T'as une machine à laver chez toi? Oui. Ok, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe dans la forge. Non, non. On a eu une petite urgence, on va dire ça comme ça. Non, non, c'est juste que j'ai eu un doute. Je suis rentré dans la forge, j'ai entendu ça, j'ai eu un doute. Ah. Non, malheureusement... Il y a eu un accident et il a fallu absolument que j'en lance une. Mais rien de grave. Ah, c'est la tempête. C'est juste réel, hein, comme on dit. Hein. Oui, mais bon, ça m'a un peu embêté, quoi. J'ai dit, bah tant pis, malheureusement, je suis un peu obligé. Et mon jeu lag, mais pas le stream, c'est quoi ce truc-là ? Après, je mets mute le temps qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est le mode des soirées. De toute façon, je suis là, j'ai juste à baisser. Voilà. Voilà. Parfait. Hop. Ok. Ah, ça fait du bien de se retrouver sur ce petit jeu quand même. N'est-ce pas? Petit mignon. Là. Moi j'aime bien ce petit jeu, il les aime. Ouais, c'est ça. Pas du tout addictif en plus. Non, oh, absolument pas. Hein, pas du tout. C'est pas notre genre de vouloir continuer la soirée jusqu'au bout de la nuit. Comme les démons. Voilà, clairement, là, les démons de minuit, ils sont calmes. Complètement. Ah, je reviens plus en forme que jamais, hein. Vous êtes mal barrés, les gars. Tant mieux, tant mieux. Que là, les blagues. C'est ça qu'il faut, hein. Le canard n'a toujours pas pondu d'œuf au fait. Je sais pas, je suis pas encore allé voir. On a ouvert aux poules? Non, je crois pas. Est-ce que c'est grave si tu dis que j'ai bouffé le canard à Noël? Non, il s'est écoute, pris un litron de rouge sur la tronche. Je pense qu'il va pas pondre d'œuf tout de suite. On me dit dans le chat qu'un canard ça pompe pas. Un canard ça pompe pas de. T'es sérieux ou... Un canard ça pompe pas de. Depuis c'est un mammifère? Mais non, 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 c'est. Un canard ça pompe pas de.
Ou alors c'est un troll, impossible. Enfin... Quel est, non, non, c'est... J'imagine que c'est un troll. Allô Google, est-ce que les canards montent des œufs? Non, c'est Ambo qui nous dit que ça risque pas, un canard ça pompe pas d'œufs. Tout comme un coq ne pompe pas d'œufs. Ah, ok, d'accord. Là, d'accord, il a raison. Ah, oui. Je c'est bien la canne qui est censée pondre un œuf, on est d'accord. Ah, oui, mais ça, ah, ça joue sur le sexe de l'animal, du coup. Oui. Ouais, mais peut-être qu'il est non binaire. Effectivement, de ce point de vue-là, il a pas faux. Ouais, mais on est un peu trop terre à terre. En même temps, on est à la ferme, évidemment qu'on est terre à terre. Ben non, toi, t'es à la mer. C'est vrai. Non, c'est vrai, moi, je suis à la mer. avec l'argent qu'on a. Oh putain, attends une minute. 35. Car... Oh putain, on peut. On peut ? Bah, je sais pas, faut... je pensais qu'attaquer un bâtiment de type vache pour avancer, mais en fait, vu l'argent, on peut réfléchir à ouvrir l'accès au bus. Ouais. Et vu qu'il fait nuit, faut aller pêcher, en fait. Il nous faut du poisson de nuit. Poisson de nuit. Bah, je suis épuisé, donc par contre, je viens de réfléchir à quelque chose. La dernière fois qu'on s'est quitté, et je viens de m'en souvenir maintenant, on faisait la quête du bois, et je crois qu'il y avait que moi, pour l'instant, qui pouvait le faire. Il n'y a qu'une hache qui peut récolter du bois. Donc, il faut que je finisse vite le bois, mais genre le bois souche, et pas le bois du bois, même si je sais, Nino, il faut du bois. Mais ouais, j'espère que je vais en trouver assez vite, parce que la dernière fois que je suis allé dans la forêt magique, il n'y avait pas tant que ça. C'était un peu décevant même. Il est beau le canard. Ouais, il est joli le canard. Petit col vert là. Ouais, ouais. Salut. Ah, t'as la bague scintillante. Oui. Je me suis dit, comme ça au moins je sais où je vais. T'as réussi à attraper une anguille ou un truc comme ça? Non, toujours pas. L'anguille, c'est en... C'est... On est sur la bonne saison? Je crois, oui. D'accord. Bah, faudrait mais que c'est je de nuit. Un peu plus... Ah. Va falloir que je m'économise le début de journée. En fait, je pense que je vais... Donc ça, ce que je peux faire, c'est arroser, vu que ça prend énormément d'énergie. Ah, c'est dormir, ça je me disais pourquoi j'avais commencé mi-énergie. C'est le l'arrosoir, c'est pénible. Donc je pense que je vais faire ça. Arroser, dormir, et après partir à la pêche, comme ça au moins je serai opérationnel de nuit. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ce sera une bonne idée. Il est 23h20, si quelqu'un est à la mine. Allô, oui, Talkie Walkie, il est en panne, je crois. Talkie Walkie dans la mine, ça fonctionne. Coro Bizarre vient de m'envoyer un chuchotement. D'accord. Ok. What the fuck. Pour commencer à tester son nouveau site. Ah, ça y est, il l'a fait. Ouais, ouais. Il m'a dit, c'est pas un scam promis. Parce que j'imagine qu'il a vu que je faisais parmi du... Tu sais, à l'époque, sur Coro Bizarre, t'avais un ladder. Oui. De ceux qui regardaient le plus, et j'étais dans les premiers, en fait. Donc peut-être qu'il me l'a envoyé en mode, bon, ben, si tu suis encore le live, peut-être que tu pourras tester le site, vu que... Bon. Qui c'est qui est Paoli? C'est qui qu'on attend encore? C'est toujours une... Hey, il est minuit et demi, ça. Hey, je suis tôt pour une fois. Hein. Il pique des poules. Par contre, je déteste ce truc. Hein. Ah, attends, on va attendre que la journée passe et je lui dis. Ce cliffhanger de la vidéo YouTube, que va-t-il dire? La
suite dans le prochain épisode.